On a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour les portes ouvertes, vous, le grand public, les entreprises. Dans ce tout nouveau, tout beau centre de formation du pôle formation UMM Lorraine, nous formons des salariés d'entreprise, nous formons des demandeurs d'emploi et également des jeunes apprentis. Le procédé d'usinage, ça va être de partir d'un bloc de matière brute qui a été débité sur une scie. Et ensuite, on va avoir une succession d'opérations. Donc première opération pour usiner le premier côté de la pièce. Donc il y a plusieurs outils qui vont se suivre et qui vont réaliser différentes cotes qui seront conformes à la pièce et conformes au plan. Et ensuite, une reprise d'usinage pour supprimer le talon et finir du coup les opérations qui n'ont pas été faites dans la première opération. Donc là, on est sur la mezzanine du bâtiment et plus précisément dans la zone de fabrication additive. Et on a devant moi des imprimantes 3D qui utilisent le procédé dépôt de fil. On a un filament qui est fondu et la buse va se déplacer suivant les trois directions, les trois axes pour créer une pièce. Europlastique, donc en fait c'est tout ce qui concerne la plasturgie, donc tous les plastiques. On va travailler dans l'injection plastique, dans le thermoformage des matières plastiques, dans l'extrusion, voilà pour les procédés qu'on a ici. Après, il y a d'autres procédés dans la plasturgie, hein. Il y a plus d'une vingtaine de procédés qui existent. Et en fait, le but de la formation, c'est de permettre aux jeunes de manipuler et de programmer les machines pour faire des pièces conformes. Donc la mécatronique, c'est un grand terme qui regroupe toutes les activités de maintenance, qu'elles soient électriques, pneumatiques, automatismes, robotiques, mécaniques. Et également, sur le site donc, de Saint-Dié, on a aujourd'hui une option productique. Donc tout ce qui est ligne de production, donc machine de conduite automatisée. Nous sommes dans une salle technique où on va donc, par rapport à ce qu'on a vu sur la ligne tout à l'heure, développer différents aspects de la ligne. Donc de l'aspect automatisme, de l'aspect mécanique, de l'aspect initiation à la robotique, du pneumatique ou de l'électropneumatique et également donc du câblage électrique. C'est une ligne virtuelle qui est constituée de 6 platines et où on montre le fonctionnement total d'une ligne, mais en virtuel. Les journées portes ouvertes aujourd'hui au pôle formation de Saint-Dié, les apprentis, enfin les futurs candidats peuvent découvrir les différents métiers. On a vu la mécatronique, la maintenance, la production, l'usinage, la plasturgie. Des sessions vont ouvrir en septembre. Mais également au mois de mai. Donc en mai, on va avoir une section de titres professionnels qui va ouvrir des conducteurs de machines automatisées et des agents de fabrication. Donc dès maintenant, les jeunes peuvent venir découvrir les métiers et s'inscrire pour les formations qui vont ouvrir donc au mois de mai, en septembre, mais tout au long de l'année.